Mousseven. Et il a un coup à jouer, Yann Kuchera, maintenant dans cette finale. Il y a de la place, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé lors de la finale de la barre fixe aux Jeux Olympiques à Sydney. Beaucoup de gym avaient commis des erreurs lors de leur exercice. Et bien Yann, il a peut-être un coup à jouer là. Il peut peut-être monter sur le podium de ces internationaux, ça serait quand même sympa. Et il le mérite car c'est un agrès où il est très à l'aise normalement. Alors on va le suivre, la salle tourne dessous jusqu'à l'équilibre, attendu, demi-tour plus valse du soleil. Oui, double arrière groupé, ça c'est une nouvelle difficulté pour lui, oui, il est bien passé. La tenue du corps est parfaite, ici son spécial, un petit peu en skoumal, une petite dislocation dans les épaules. Valse arrière, allez, ça tient. Allez Yann, pas d'erreur. Demi-tour, on sort des barres, maintenant le placement, la force. C'est bien tout ça. L'alignement toujours parfait à l'équilibre et double carpé, oui. Oui. Yann. Bien joué. Il nous a peut-être entendu, Yann. En tout cas. Voilà, il a. Bon exercice. Bon exercice. Il a démontré que sa finale aux Jeux Olympiques n'était pas un hasard et que véritablement, il excelle sur cet agrès d'équilibre excessivement difficile à maîtriser. Voilà, ici, vous avez vu la petite dislocation sur le soleil en position d'équilibre. Et Yann qui devrait sur cet exercice parfaitement bien exécuté prendre la tête du concours normalement. Le double arrière groupé là, c'est ce qu'il a inclus. Ouais, il force un peu, il est à la peine mais il passe bien. Son visage grimaçant, la sortie ouais, est correcte. Lui il sait qu'il a réalisé de toute façon un exercice qui était à la